Bon, Vito 2018 touche à sa fin. Que retiens-tu, toi, d'un point de vue personnel et professionnel de ces 12 derniers mois? Dans le plan personnel, déjà, je suis très fier de moi-même d'être encore sur le terrain, de pouvoir jouer, d'être disponibilité de coach et de toute l'équipe. Je pense que jusqu'à là, on est en train de faire une belle saison. Et moi, côté individuel, je me sens très bien en plus. Bon, la frustration de la fin de saison dernière, quand vous aviez un peu flanché dans le Money Time face à vos concurrents directs, est-ce qu'elle a décuplé la motivation des joueurs et du staff à l'intersaison? Ouais, c'est sûr que la saison dernière, on a envisagé de finir dans les 6 premiers pour être européen. Et au final, on n'y était pas. C'est sûr que la frustration, elle était. Mais cette année, on se parlait entre nous. On savait que si on voulait vraiment être européen, il fallait qu'on fasse une meilleure saison. Donc, on a mis tout ça dans la tête avec les nouveaux qui sont arrivés. Et puis pour le moment, on est dans le bon chemin. Avec la continuité du système à trois axes d'une saison sur l'autre, le bon parcours des équipes qui avant tout lâchaient rien à la Coupe du Monde avec des systèmes comme ça ou pas, et le nombre d'équipes aussi qui est passé dans ce 3-5-2 un peu comme vous, tu penses que vous étiez un peu précurseur de quelque chose l'année dernière parce que vous étiez une des premières à jouer comme ça? Ouais, nous on voyait déjà l'équipe de la Juventus, c'était la première équipe qui jouait à 5. Nous, on a eu un système avec 5 défenseurs qui marchait très bien la saison dernière. On a fini la meilleure défense de notre championnat. Je pense que beaucoup d'équipes, peut-être qu'ils ont vu que c'est pas parce qu'on joue à 5 derrière qu'on est une équipe qui défend beaucoup. Après, si on a aussi des joueurs qui apportent beaucoup sur les côtés, comme chez nous, avec Aguila, Ambrose qui peut monter tout le temps, donc ils ont le coffre pour ça, donc ça permet aussi d'avoir des joueurs offensifs en même temps. Et je pense que pendant la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'équipes qui ont, dès qu'ils avaient le ballon, ils avaient plus de joueurs pour attaquer, et quand ils n'avaient pas le ballon, plus de joueurs pour défendre aussi. C'est un peu la Juve qui vous a mis sur cette voie, le camion un peu sur cette voie, le coach, ouais, le coach aussi qui s'est adapté aux qualités de tout le monde. Ouais, je pense que le coach déjà il nous avait parlé un peu si on avait déjà joué à 5. Nous on avait dit que oui, mais pas beaucoup. Après il nous a montré des images de la Juve, comment ils jouaient. Donc nous on dit bon, c'est une équipe qui défend très bien. On sait tous qu'au niveau européen la Juve c'est une grosse équipe. Après nous on a dit bon, si on veut être une bonne défense aussi, il faut qu'on s'inspire de cette équipe de la Juventus. Bon, votre façon de bien défendre et votre organisation, elle a quand même nécessité un réajustement en cours de saison, de cette saison. Dans votre approche des matchs, on dira que ça a été un peu le tournant du début de saison, quand vous vous êtes un peu adapté à la façon d'aborder les matchs, notamment à domicile. C'est ça qui a un peu lancé votre saison. Ah oui, ça, parce que par rapport à la saison dernière, on a perdu beaucoup de points à domicile. Et cette année, on a dit qu'il fallait qu'on fasse beaucoup mieux. Donc, notre système de jeu aussi à domicile, il fallait être plus haut sur le terrain, pressé, un pressing plus constant pendant 90 minutes chez nous surtout. Et pour le moment, ça paye. J'espère que ça va continuer. Le coach dit que c'est pas forcément le tournant, c'est pas l'égalisation de Strasbourg à la fin, mais beaucoup de joueurs, quand ils passent en conférence de presse, disent que c'est vrai. Strasbourg, ça a quand même été un tournant où vous vous êtes dit qu'il fallait aborder vraiment les matchs autrement. Et ça a payé au final après. Ah oui, ça c'est sûr. C'est un match qu'on dit bon, allez, on fait un match nul à la fin. Et après ça, on dit bon, il faut qu'on aborde différemment les matchs. Et puis on a fait pour la suite et on a été récompensé. C'est quoi qui vraiment a fait la différence? C'est d'aller presser plus haut, c'est de... Ah oui, c'est de presser plus haut, d'empêcher les équipes adverses d'essayer de faire le jeu chez nous. Donc
Par rapport à la saison dernière, on avait un bloc assez un peu plus bas que d'habitude, qu'on n'avait pas le ballon. Et puis là, cette année, le coach nous a dit que dès qu'on n'avait pas le ballon, dès qu'on perdait le ballon, d'aller chercher de suite. Les joueurs, ils ont compris. Donc, même s'ils demandent beaucoup d'efforts, on est tous concernés, on fait tous pour l'équipe. Et on sait très bien qu'à la fin, ça paye. Vous n'êtes pas borné hein, dans votre système non plus, parce que, surprise, beaucoup d'équipes ont essayé de s'adapter à vous et de un peu avec l'effet miroir de faire les mêmes compositions. Ça vous a surpris ça? Oui. Ça prouvait que vous aviez un peu changé de statut aussi. Oui, ça prouve aussi que voilà, maintenant, chaque fois avant, on jouait contre des équipes, des fois il fallait s'adapter à eux. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup des équipes qui s'adaptent à nous, donc on voit qu'on est une équipe très difficile à manœuvrer, donc c'est bien parce que voilà, je pense que les équipes, quand ils vont jouer contre Montpellier maintenant, ils vont nous regarder différemment. Ils savent que pour nous battre, il faut vraiment qu'ils nous bougent sur le terrain, donc c'est pas évident. Certains disaient aussi, bon, le système à 5, c'est un bon système pour Vito. Bon, vous avez prouvé que vous pouvez passer à 4 hein, et que vous pouvez gagner des matchs, mais à Monaco, vous êtes passé à 4 derrière, vous avez gagné, tu as tenu aussi la baraque. Sur d'autres matchs, c'est déjà arrivé. Toi, que tu es 4 ou 5, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Après, c'est un système à 5. On dit, bon, allez, pour un jeune joueur de 41 ans, c'est plus facile à 5 derrière, mais on sait très bien qu'il met à 5 à 4. Les efforts sont quasiment les mêmes, hein, même si peut-être à 5 tu as moins de courses. Mais aujourd'hui, avec les attaquants qui vont vite devant, il n'y a pas de système à 4, à 5. Il faut être attentif, il faut être prêt physiquement, donc ça ne change pas grand-chose. On a montré à Monaco, même contre Lille, même si on a perdu le match par rapport à notre premier 5 minutes de match. On a joué à 4 jusqu'à la fin, on méritait même d'égaliser et de gagner le match. On a l'impression que ça a été l'intersaison parfaite pour vous, avec la consolidation de votre force, bien défendre, et vos progrès dans le domaine offensif, qui était quasi obligatoire pour progresser cette saison. Mais sans la belle vie de groupe que vous avez réussi à créer également, peut-être que ça n'aurait pas été aussi bien marché jusque-là, quoi. La clé de voûte, c'est l'ambiance, parce que vous pouvez améliorer pas tout ce qui est améliorable, mais s'il n'y a pas... Voilà, l'amalgame qui se fait bien, l'ambiance. Ouais, la cohésion entre nous aussi. Je pense qu'on a fait une belle cohésion pendant les stages à Mende, avec les arrivées de Gaëtan, d'Andy, devant qui nous marquent des buts, de Flo, donc Damien, qui c'est des joueurs qui viennent d'arriver, mais ils sont tout de suite intégrés. Ils se sentent très bien chez nous. Je pense que la vie de tous les jours, ça compte énormément. Dès qu'on est sur le terrain, on est vraiment des potes. On se donne tous un pour les autres et ça marche. Et ça marche pour le moment. Est-ce que c'est pour le moment la plus belle saison que tu vis au club, avec celle du titre, au niveau justement de cette ambiance, de cette cohésion? Oui, cette année vraiment, c'est une belle cohésion. Je pense dans le vestiaire, on faisait un moment qu'on n'avait pas une équipe qui rigolait autant, qui se taquinait dans le vestiaire. Je pense que c'est très important. Ils ont une équipe aussi qui travaille beaucoup sur le terrain. Je pense qu'on est tous impliqués. Dès que c'est le moment de bosser, on est tous concentrés. Donc c'est ça qui prouve que pour le moment, on est une bonne équipe et j'espère que ça va continuer. Quel match retiens-tu d'un point de vue positif et d'un point de vue négatif, si tu en avais à ressortir? Ouais, positif, allez. C'est en 2018, hein, de fin de saison dernière et ce début de saison. Moi, bon, celui-là, bon, allez, même si c'est un match que j'ai pas joué, moi je viens de dire un match contre Nîmes. Je pense que ce match-là, l'équipe, elle était vraiment, vraiment top, même s'il y a eu d'autres matchs contre Marseille. Mais je pense contre Nîmes, plus un derby, je pense qu'on a montré qu'on avait vraiment une belle équipe qui est en train de gagner des places au classement. Je pense que ce match-là, c'est un match positif. Après, bon, après par rapport à la saison dernière, je pense que le match contre Bordeaux à domicile, je pense que c'était le match clé par rapport à notre classement de la fin de la saison. C'est le point négatif. Ouais, le point négatif, c'est celui-là, parce qu'on perd à domicile et qu'au final, on voit que c'est Bordeaux qui finit européen. Voilà.
Non, mais pas trop loin, juste là, il y a le clou là. Juste là. Ok, mais jouer tous les matchs, hein, même en coupe et qui ne demande jamais à tourner. Comment l'as-tu vécu de ne pas jouer face à Paris, puis Nantes et puis d'aborder Lyon sans match officiel dans les jambes depuis presque 3 semaines? Bah, c'est compliqué parce qu'on a tous envie de jouer des matchs. Après l'entraînement, on sait bien, mais quand tu es passionné, tu es passionné pour jouer les matchs. Bon, après, c'est sûr que ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Donc, on voulait jouer contre le PSG. Bon, le match était annulé. Après, on m'a dit bon, on va jouer contre Nantes. Le match est annulé à nouveau. Donc, on ne sait pas trop. Et puis là, on espère qu'on va finalement jouer contre Lyon, même si c'est le dernier match de l'année 2018. J'espère qu'on va, même si on a moins de temps de jeu que d'habitude, on va être prêt pour bien finir l'année 2018. C'est une grosse équipe, une belle affiche qui sort de gros matchs de Coupe d'Europe aussi. Ce serait une belle manière de mettre un point final sur cette année 2018 d'une belle manière pour le public et pour vous si vous le mériteriez. C'est même si vous manquez un peu de rythme, peut-être il y a cet ultime effort à faire là. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que tous les joueurs ils ont hâte de retrouver le terrain. Là, on sait que c'est un gros match, c'est une grosse équipe. Là, ils viennent de se qualifier en Coupe d'Europe. Donc, c'est à nous d'aborder le match qu'il faut pour battre cette équipe lyonnaise. On sait que ça ne va pas être facile. Il faut qu'on soit tous à 100% sur le terrain. Ça va demander beaucoup d'efforts. Qu'on a le ballon et qu'on n'a pas le ballon aussi. Donc, je pense qu'on... Là, on est en train de se préparer, on a jusqu'à samedi pour être à 100%. Donc on a su que Paris était reporté, Nantes aussi. On a senti même un peu de résignation chez certains d'entre vous, hein, qui parlaient de saison faussée, d'équité bafouée, que la saison était morte même. C'était des mots forts, mais bon, peut-être sur le coup de la déception de ne pas jouer et que les autres jouaient. Bon, il va y avoir quand même 3 points en jeu, hein, en janvier ou février, quand ça se rejouera. Il faudra les jouer, vous n'allez quand même pas déclarer forfait. Ah non, toi, c'était pas ton sentiment d'être battu par ça? Non, bien sûr que non. C'est sûr qu'après, on est tous déçus parce que. Alors, on dit, allez, on n'a pas joué. Après, on sait qu'on va dire qu'on joue contre le PSG. Quasiment toutes les équipes qui ont joué contre le PSG, ils ont perdu. Après, on se dit, bon, allez, Montpellier va jouer au Parc. C'est quasiment allez, une défaite. Mais nous, on savait qu'on avait une possibilité de se prendre cette équipe de PSG, donc on va jouer au mois de janvier et puis il y a 3 points en jeu. Après il y a le match de Nantes aussi, c'est une équipe qui fait une belle saison non plus, donc c'est à nous d'aborder ces 2 matchs là, il y a 6 points en jeu, voilà, ça compte pour le classement, même si on n'a pas joué pour le moment, si on a 2 matchs en retard, Il faut les jouer, il faut les gagner des points. Dans tous les cas, vous avez dû apprendre de la saison passée, vous aviez eu une terrible série de matchs, hein, tous les 3 jours, en janvier-février, que vous avez peut-être payé plus tard dans la saison. Cette année, tu penses que vous aurez appris de la saison dernière et qu'avec la répétition de ces matchs, à cause de ces matchs reportés, vous allez peut-être l'aborder différemment? Oui, aussi. De l'autre côté, on va dire on est prêt, on est frais parce qu'on n'a pas joué quasiment au mois de décembre, on n'a pas eu de match. Donc même si on manque de rythme, on va être bien pour le mois de janvier, le mois de février. Bon, les fêtes de Noël pour conclure, comment ça se passe chez les Hilton et comment toi tu vis particulièrement cette période? Moi en famille, au Brésil, au soleil. Même si c'est court, j'ai profité d'aller au Brésil pour fêter Noël avec la famille et puis pour recharger les batteries comme moi j'ai dit à chaque fois, pour revenir pour bien finir la saison. Bon, Vito, il a quand même besoin de recharger les batteries. Ah oui, à mon âge, il faut prendre un peu de soleil, après c'est bon. Merci Vito. Au plaisir. Merci beaucoup. Ah!
croisé Harry Potter là. C'est vrai que c'est un baguette magique.